Est-ce que vous pensez qu'il est possible de vivre une histoire d'amour de A à Z sans qu'il y ait le moindre mensonge? Non. Catégorique. Ça c'est fait. À continuer à lire le magazine. Je pense que le mensonge, ça peut être très 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 bénéfique dans n'importe quelle histoire, amour ou autre, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Est-ce qu'il est possible de mentir en musique? Oui, regarde, parce que Bertrand, c'était pas lui qui chantait, hein, donc il a quand même fait 20 ans avec ça. Ouais. Et puis, une question qui me touche particulièrement à cœur, c'est, j'aimerais avoir, en ce jour, on est le quoi, on est le 17 17 mars. Hein, ou quoi, demain c'est le 18. Non, j'ai cru que c'était l'anniversaire de ma mère. Mais 17 mars 2011. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'espoir? C'est que les gens aillent mieux et que tout pète pas tant qu'on est là. Et qu'on arrive à faire de la musique encore un petit peu. Ouais, enfin, l'espoir c'est juste. L'être humain quoi. L'espoir c'est l'homme. Voilà. Moi, je dirais que l'espoir, c'est la nature. Mais... Bon. C'est un mec. Moi, je croyais que vous alliez me dire l'espoir, c'est Sarkozy. Aussi. Aussi.